Cela dit, le décès de l'assistant de police stagiaire Rasmani Dosungu doit interpeller tous les Burkinabés sur leur comportement en circulation. Ces mots sont du ministre en charge de la sécurité, Simon Compaoré, qui a assisté à l'inhumation de ce policier. Un policier qui avait été violemment heurté par un usager de la route et qui a succombé à ses blessures hier matin. Moussa Ouedraogo, Oumou Cissé. L'activisme d'un usager de la route a eu raison de sa vie. L'assistant stagiaire de police Rasmani Dosungu n'a pas survécu à ses blessures. Pendant qu'il régulait la circulation pour la sécurité des usagers de la route, il a été violemment heurté par un motocycliste qui a refusé de marquer l'arrêt à un feu rouge. C'était le mardi dernier. Venu l'accompagner à sa dernière demeure, parents, amis, collègues, frères d'armes et même des anonymes contiennent difficilement leur douleur. Ça, c'est un exemple qui amène tout un chacun à ce que lorsqu'il faut prendre des mesures, bon, que personne ne se plaigne parce que voilà une vie arrachée. Et nous avons vu le corps, il est très jeune. Voilà. Il laisse une famille inconsolable et pour des bêtises, pour quelqu'un qui n'a pas voulu obtempérer. Et disons même que c'est criminel. Le ministre en charge de la sécurité rassure qu'une enquête est en cours pour retrouver l'auteur de cet acte. Un acte qui endeuille toute une famille. L'assistant stagiaire de police Rasmani Dosungu repose désormais au cimetière de Sandogo et laisse derrière lui une femme et un garçonnet de 3 ans. Il n'avait que 26 ans.